Et salut à tous, c'est Chico, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SnowRunner, donc petite vidéo tranquille posée, petit gameplay où on va aller en fait s'occuper donc de la dernière chute d'arbre qu'on a sur une route pour aller y déposer. Donc je pense qu'il nous faut voilà deux pièces de rechange. Alors tu vas me dire j'ai un gros camion pour faire ça. C'est simplement que c'est le camion que j'aime bien utiliser, comme tu le sais. Je ne dois plus le répéter. Donc, un tout grand merci encore une fois à tous ceux qui ont rejoint la chaîne, tous ceux qui likent et qui me commentent énormément, qui me soutiennent. Ça me fait très très plaisir. Franchement, vous êtes au top, les gars. Super. Et j'espère que ça va continuer comme ça, évidemment, que la chaîne va continuer à prospérer bien comme il faut. Donc, c'est vrai que c'est un peu grand comme camion. J'avoue que là, j'ai un peu craqué pour deux pièces de rechange. Mais c'est parce qu'après, on part aussi sur un éboulis. Qu'il faudra donc retirer de la route parce que j'aimerais bien attaquer la mission Gué en bois et on doit passer par une route principale. Donc cette route, pour pouvoir y passer tranquillement, j'aurai besoin de faire mon éboulis pour pouvoir passer vraiment à mon aise sans devoir prendre des chemins improbables encore une fois, parce qu'on le sait, hein, je suis abonné aux chemins improbables. J'aimerais bien prendre un peu de route normale, classique. Donc j'ai vu que pour le glitch, il y en a beaucoup qui en sont ravis, il y en a même énormément, je pense que vous êtes 90% à réussir à le faire. Le reste des 10 petits pourcents qui n'arrivent pas, je pense que vous ne suivez pas les étapes à fond. Donc regardez vraiment bien la vidéo. 7 minutes, c'est pas long. Je pense que les plus importantes sont les 5 premières minutes même, parce qu'à la fin, je ne fais que répéter tout simplement les étapes à suivre. Pour ceux qui ne le savent pas, j'en ai fait un petit live également pour le faire avec vous ensemble, ce qui a aidé aussi pas mal de personnes. Donc vraiment, regardez bien la vidéo, vous allez voir que ça fonctionne très très bien. Je pourrais encore le refaire maintenant, ça fonctionnera sans souci. Donc sachez que je ne présente pas de glitch qui ne fonctionne pas. Ce sont des glitches quand même que je fais avant de vous les présenter. Donc voilà. Alors du coup, on va prendre nos deux pièces de rechange. Ok, donc j'ai vu que pour l'éboulis, il me faut deux poutres en métal. Donc on va déjà aller livrer ça. Et puis on ira à l'éboulis pour chercher aussi nos deux poutres en métal. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Donc je voulais dire qu'après nous irons chercher nos deux poutres en métal pour faire l'éboulis. Voilà, dans ce sens-là, c'est beaucoup mieux. Alors, on est parti avec notre gros bahut. Donc on va à gauche. C'est pas très loin en soi. Franchement, la route n'est pas dégueulasse non plus à prendre. Donc c'est vrai que un petit peu de gameplay, ça fait plaisir aussi. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en fais pas. Parce que finalement, ce que je constate, c'est que je le fais en live, oui. Mais je ne fais plus de vidéos gameplay. C'est plus des vidéos astuces. Et je me suis dit, tiens, mais oui, ma chaîne, je ne fais pas de gameplay en fait. Donc là, on est parti pour un petit gameplay. Simple et efficace. Donc comme vous le savez, les routes sont principales choses à faire. Donc les routes sont principales choses à faire quand on commence une map. Parce que forcément, après, quand tu vas devoir venir livrer, autant passer par les routes principales plutôt que des routes secondaires ou des routes tertiaires. Surtout que les routes en général qui ne sont pas secondaires sont quand même très très compliquées d'accès. Alors attends, ici c'est... Ouais, c'est là que je passe habituellement. Je sais pas, je vais pas prendre trop de dégâts. Aïe, ouais bah ouais. C'était inévitable. Je m'en doutais que j'allais en prendre. Voilà. Ah, je pensais qu'on allait en prendre ici aussi. Parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un camion qui est très très bon, hein, attention, hein, mais il est fragile, hein. Il prend très vite du dégât et c'est vrai que c'est un peu moyen. Enfin, là j'étais bloqué par une branche, oui. Une branche qui bloque un gros bahut comme ça. Allez, on y va là, vas-y. Sac de dingue, mon gros. Voilà. Allez, vas-y, 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 vas-y. Oui! Allez, c'est bon, on est de l'autre côté. Hop, voilà. Bon, sinon, ça roule plutôt bien. C'est pas une map que je trouve horrible. Pour moi, clairement, si on me demande, les pires maps qui étaient existantes dans le jeu, enfin, qui sont existantes, sont celles en Russie. Voilà, j'ai détesté la Russie.
J'ai détesté les maps, c'était vraiment pas praticable, ça partait dans tous les sens, c'était que de la gagou partout. Non, franchement, c'était pas mon délire du tout, quoi. Je préfère les maps enneigées, verglacées. Bon, après, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui aiment pas trop, j'ai vu, mais c'est quand même, je trouve, plus intéressant. J'aime bien rouler sur la neige, en plus, dans la vie de tous les jours aussi. Mais dans le nord, la neige, c'est quelque chose qui n'existe presque plus. Et oui, je crois que ça doit faire 4-5 ans là que j'ai pas eu de neige. Ou alors si, trois flocons qui se sont perdus, qui n'étaient pas censés être chez nous, mais qui sont quand même atterris chez nous. Bon. Alors, on arrive bientôt au point de livraison. Il est juste là. Enfin, juste là. Wow, doucement, doucement. Putain, je vais un peu vite là. Wow! Wow! Oh! Stop! Ok. Je crois que j'ai un peu trop fait le bourrin là. Bon, c'est pas grave. Il est costaud. C'est un bon bahut. Bien costaud comme on aime. Allez, on va devoir se trouiller un petit peu. Si on trouve un arbre, hein, digne de ce nom. Ah, c'est bon. J'en ai un. Oh là là, en plus je dois aller à droite, à gauche. Attends. Ouf. Ah ouais, d'accord. Ouais, là en termes de... Putain. Kata. Attends, je vais passer quand même de derrière, tu sais, parce que je vais aller plus sur la gauche. Parce que là, ça m'a l'air d'être une horreur à traverser. Ah, je bloque, pourquoi? Ok. Ouais, vas-y. Non, ça va pas. On va pas insister pendant 20 ans, ça ne sert à rien. Ok. Bon, ben voilà, on est bloqué. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon tatarin de suite, pour pas perdre trop de temps non plus. Parce que le temps, c'est de l'argent. C'est de la merde, putain, mais ça n'avance pas, quoi. Je comprends pas pourquoi il avance pas comme ça. J'ai l'impression qu'il est à peine posé sur le sol aussi, enfin je sais pas, c'est très bizarre. Ah là, la texture du sol, elle doit être très... très spéce, hein. Il est bizarre ce sol. Il n'est pas palpable. Mais non, mais allez quoi, putain, c'est un truc de fou. Bah peut-être qu'une descente, ça va l'aider, hein. Voilà, oui. Allez, un élan de courage. Ok. Putain, mais c'était hallucinant, quoi. Pourtant, c'était pas une grosse couche. Aucune raison que le tatarin bloque comme ça à cet endroit-là. Franchement. Oh là là, le foutage de gueule. Mais le foutage de gueule, quoi. Oh. Ils ont osé me faire ça. Lol. Ok, ben on va devoir passer par au-dessus, hein. Parce que je ne vais pas me retaper. Cette bouillasse de neige de merde là, c'est hors de question. Allez, on y va, vas-y. Vas-y. Non, c'est bizarre, d'habitude ils montent bien mieux que ça. Ou alors j'ai pas mis les bons pneus. Oh là 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 là. Ah non, mais là j'en reviens pas. Hein. Hein? Attention, attention. Ouais, j'essaie quand même de toucher les rochers pour dire d'avoir un peu de grip, mais regarde-moi ça, quoi. Il veut pas. Ah, j'en reviens pas, franchement. Le tatarin, je lui fais passer des fois des épreuves de fou. Et là, putain, un bête rocher. Il a galéré quand même. Hein. Voilà, on est sur de la glace, là, ça va aller mieux. Ok, allez, on y va là, on sac. Perdre déjà, tu vois, 15 minutes de temps pour rien. On va rouler bien sur le bord parce que ça m'a l'air bien casse-gueule aussi ici. Bah, c'est vrai que la glace, moi je... Les bruits sont bien faits, tout ce que tu veux, mais on se demande quand même ce qu'il y a en dessous de cette glace. Hein. C'est très bizarre. Il n'y a aucun grip, il y a, je sais pas, on dirait qu'en dessous de la glace, c'est mouvant, quoi, et c'est de l'air.
Punaise. What, quoi? Moi qui m'étais dit ça va aller vite, de nouveau. Arrête de dire ça. Hein. Franchement, ne dis jamais ça. Si tu connais pas SnowRunner, ne dis jamais. Ouais, ça va aller vite. Tu sais pas ce qui t'attend. Hommage à tous les débutants. Une minute de silence. Voilà, bon, je pense que là on est bon. On va pouvoir prendre ici à gauche. Oh mais c'est horrible! J'ai pas les bons pneus ou je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas là. Si pourtant j'ai bien des chaînes, hein. Mais habituellement, il passe bien mieux que ça, quoi. Eh ben, dis donc. Voilà, tu vois, des fois, quand je te fais une vidéo là, qui était censée durer 1 heure, eh ben, en gros, elle dure pas 1 heure. Ça me met 4 heures. Oh putain, vas-y, monte. Ok. J'ai eu peur. Non, mais vraiment, c'est un truc de fou. Des fois, des missions devraient pas mettre autant de temps et. Et voilà, à force de te planter, à force de, je sais pas moi, de te retourner, de prendre des chemins de merde, et ben voilà, c'est comme ça que ta mission, elle se rallonge de je ne sais combien de temps. Donc attends, ici du coup. Ok, allez, il y a un moment, il faut que tu tournes. C'est vraiment important, sincèrement. Voilà, tourne, 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 tourne. C'est très bien. C'est bien, Tatarin. Voilà. Parce que. Ce qui permet de tourner ce véhicule, ce ne sont pas ses roues, c'est uniquement là où tu vas t'accrocher avec ton treuil. C'est incroyable l'angle de braquage pourri qu'il y a sur ce véhicule. Que ce soit celui d'origine ou le JBE, ça change pas. Hein. Je te le dis déjà. Voilà. Donc, normalement, on va pouvoir treuiller l'autre là. Ah. Ça va être très chiant ici de passer là. On va le treuiller comme ça. Tiens, c'est lequel son point, lui? Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, allumer le moteur. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des champs. Et je voudrais que tu te ramènes, parce que j'ai pas le temps. Allez. Oh là là, le tatarin, il est en PLS, quoi. Bon, regarde, regarde, je tourne. Je tourne, je n'ai plus de treuil. Je tourne à gauche, et il arrive à aller. À droite, c'est quand même terrible. Hein. Franchement, c'est déjà un truc qui me gave énormément avec certains véhicules. Ces putains d'angles de braquage dégueulasses. Oh là là, les pertes de temps de malade, quoi. Alors oui, là j'ai un treuil de. Il est où le point? Oula. Voilà, bah, écoute, je. Putain. Là, on va essayer de reprendre un peu de grippe. Merci bien. Putain, regardez, mais j'ai retiré toute la glace. Ah, il n'y a plus rien là. Ok. Je vais me mettre un peu plus loin. Comme ça, normalement, c'est bon. Voilà. Et on y va, on tire. On tire, on tire. Allez, mon gars, viens. Oh, mais quel passage, n'empêche. Oh. Waouh, 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 waouh. C'est abusé, hein.
Jamais tu fais passer un camion ici. Hein. J'espère qu'on va pas devoir passer trop souvent ici parce que franchement, c'est une cata quoi. Ok. Marche arrière. D'accord, il veut pas. Ok. Excuse-moi. Désolé, j'espère que je t'ai pas trop vexé. Allez, vas-y, tire. C'est abusé, hein. Ce chemin, il est vraiment abusé. Moi qui disais Cosmodrome, ça va bien. Waouh! Attends. C'est pas grave, on a un treuil Autonomous Winch. Ok, là c'est bon. Ici. Voilà, je vais le remettre un peu droit là, comme ça. On va se remettre en vitesse comme ça. Voilà. Oh là 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 là, mais quel enfer ce terrain! Moi qui voulais faire deux missions là, je pense qu'on n'aura qu'une, hein, les gars. Non, non, treuil-toi au camion, s'il te plaît. Non. Là. Je sais pas où est le point. Ok, il est blindé loin, quoi. Ah, il est là. On y est presque, hein, ceci dit, hein. On l'a presque sorti. Allez, on y va, là. Ramène tes fesses. Ça vient, tout doucement, mais ça vient. On va treuiller un peu. Enfin, tirer sur le treuil, c'est ça que je veux dire, quoi. T'as compris. Alors, le problème, hein, ça va être cette putain de rambarde. Donc, je vais essayer de passer sur le... Voilà, sur lui. Parce que, tu vois, là, je peux pas monter comme ça va être trop risqué. Alors, attends. Comme ça, ouais, ça me paraît bien, hein. Voilà. Là, ça me paraît bon. Vas-y, Tatarin. Avance un peu, s'il te plaît. Ok. Ah. L'autre chose maintenant. L'autre qui s'est mis en araignée, là. Ouais, désolé, je dois te pousser un peu, mais il me faut de la place. Merci. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il est clair, ce Tatarin. C'est un truc de fou. Ce sont pas des phares, hein, dessus. Là, on a des projecteurs. Ah là là, c'est un truc de malade. Regarde même à l'arrière. C'est pratique hein, quand même, hein, ceci dit. On voit clair. Allez, on y va. Oui, on va passer un peu en journée, hein. Un petit peu. Merci. Gentil. Voilà. Bon, bah là, on est parti. Normalement, on devrait plus trop galérer. C'était le passage, je pense, le plus merdique. Allez, hein, moins un, vas-y, hein. Je te vends là depuis des semaines, donc assure, quoi. On est bon. Tu vois, je t'avais dit que c'est un véhicule qui passait bien. Qui a dit qu'il galérait? J'ai pas galéré. Je m'en souviendrai pas, je me rappelle pas. Bon, voilà, donc là, c'est bien. Alors ici, ça va passer ou pas? Ouais, hein. Ouais, attention. Attention les dégâts. Eh ben non, hein, ça va pas passer, hein. Connard. Attends, j'ai de quoi me treuiller. Oui. C'est bon. Impeccable. Bon, bah, je pense qu'on y est, là. Hein. Allez, on y est. Non, pas encore. Allez, bientôt. Un petit peu du cabine, ouais, tiens. Ça fait du bien. Puis on voit mieux la route, on roule mieux en général. Ah, ça a l'air chiant ici aussi. Paf, paf, paf. Non, ça passe bien, ça passe bien.
C'est un bon terrain, ça. Ça, c'est de la route, hein, en SnowRunner. C'est une route, oui, tout à fait. Ce n'est pas une route abîmée, non, ça c'est le tarmac de SnowRunner. Eh ben, pour aller faire un arbre. J'espère qu'il y a une cinématique de malade. Hein. Moi, je fais pata. Pata? Non, pas tout ça pour rien. Je veux du spectacle. Des arbres, il y en a partout des arbres. Ouais, ça va, ça roule bien ici. C'est du dur. On est sur du. Sur du. Voilà, bah, je pense qu'on y est là, il est là hein, le truc là. Ouais, c'est ici qu'on livre. Oh là là là, ça va faire plaisir de l'enlever ce truc là. Allez, dégage. Ciao. Merci bien. Voilà, mission terminée. Alors attends, on fait marche arrière. Autant gagner du temps. Alors tu vas me dire, oui, mais comment tu sais que il faut telle ou telle chose avant d'y aller? Faut aller sur Mapreneur, hein, les gars. Hein. Moi, je joue toujours avec Mapreneur ouvert à côté. Ça me permet de gagner un peu de temps. Ouais, les puristes diront, ouais, mais bon, tu fais pas le jeu à fond comme il faut. Et si, en même temps, le jeu, moi, je le fais, c'est plus pour vous aider aussi plutôt que pour moi. C'est plus pour vous que pour moi. Donc au moins en regardant cette vidéo, tu sais déjà, voilà, là il faut ça, là il faut ça. Bon, tu dois pas commencer à te taper le chemin jusque là-bas, quoi. Alors attends. On va donc tout droit. Bon, ce qui est un peu emmerdant, c'est qu'on va devoir emprunter les rails de train sur le fameux pont là qu'on va traverser. Voilà. Si on prend du dégât là-dessus, apparemment non. Ah, ici ça roule bien. Hein. Chouette petite route, on dirait une piste de ski là. Tu mets des skis à moi, je vais dessus. On va faire le plein tant qu'on y est. Je savais même pas encore qu'on avait une pompe à essence qui était fonctionnelle. Je l'ai vu bêtement là sur la map. Voilà. Et on est parti. Bon, et puis c'est bien. C'est un véhicule qui est quand même plutôt stable. Hein. Franchement, pour le retourner, j'ai pas encore réussi à le retourner une seule fois. Il est vraiment pas mal à ce niveau-là, ça c'est sûr. Même bien chargé. Il tient très très bien sur ses roues. Ça va bloquer là ou pas? Non, impec, allez go. Go go go. Ah. Il aime pas la neige hein, aujourd'hui. On enlève d'abord tous les arbres avant de trouver le bon point d'attache. Voilà. Bon, après, on doit pas repasser par ici, donc c'est pas trop grave. Ok, allez. Vas-y, Francky. C'est bon, bon, bon. Et donc, c'est ici qu'on vient prendre ouais, la route, si je puis dire ainsi. Voilà. Bon, quand vous roulez sur les rails, faites attention quand même, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus stable. Hein. C'est des fois un peu casse-gueule. D'ailleurs, moi je vais me foutre comme ça, le temps que je suis sur les rails. Ah putain, les enculés. Ah! Ah! Ah là là, bon, ok, au moins tu sais que tu ne peux pas passer par là. Allez, on est parti, donc j'ai déjà mis le trajet à suivre. C'est que de la route. Franchement, c'est que de la route. Bah, ça m'a l'air, en tout cas sur la map, on ne voit que de la route. Je pense qu'on va tomber sur quelques petits endroits enneigés, verglacés, mais franchement, ça devrait plutôt bien rouler. Un peu de dégâts, c'est pas trop grave. Tant que j'en prends pas de trop. Alors ici.
À gauche, tout doucement. Ok, j'ai pas envie de l'éviter. Hop, on continue. Quand je te dis qu'il est stable, mon Azov. Alors oui, c'est un mode, je vais le dire dans toutes les parties que je fais maintenant. C'est bien un mode. C'est le 7330, je pense. Hein. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Donc il est dans les modes. C'est un Azov. Très très bon, 10 roues. Vous avez vu du coup le Pactatra quand je vous avais présenté le véhicule Titan, le Titan T813. Eh ben voilà, hein, aujourd'hui, ils vont nous le sortir en Pactatra dans le jeu. Franchement, chapeau quand même au modeur, parce que c'est quand même très 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 bien joué de sa part. À mon avis, il va bien se faire du beurre aussi sur les ventes. Mais franchement, chapeau quoi. On n'aurait pas cru finalement. Moi, je l'ai vu direct que c'était un très très bon camion, qui avait un putain de bon potentiel. Et franchement, chapeau à lui, quoi, parce que aujourd'hui, il a trouvé un accord quand même avec SnowRunner, enfin avec Focus, pour le retrouver en Pactatra. Franchement, c'est plutôt bien joué de sa part. Hein. Sincèrement, si demain Focus m'appelait pour me dire, est-ce qu'on pourrait mettre votre logo comme sticker? Bah oui, bien sûr, attends, volontiers, quoi. Non, franchement, c'est bien. Mais donc, j'en ai fait un test, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui se demandent. À la base, ce véhicule, c'était un mod. Hein. C'était un mod et voilà. Aujourd'hui, on va pouvoir l'acheter. Soutenir notre modeur Zidon. Hein. C'est Zidon qui avait fait ça. Donc bien joué, Zidon. Well done. Alors. Ouais, ça va, on va y arriver assez vite. Ça roule plutôt bien. C'est cool. En même temps, quand on a déjà fait quelques arbres, quelques éboulis. Ça aide. Hein. Alors ici, on peut l'activer ça. Ah, j'ai pas fait celui-là. Et qu'est-ce qu'il faut? Pièce de rechange. Voilà, j'y étais. C'est con parce que je l'avais pas vu celui-là. Attends, c'était où encore? Et on n'est pas loin. Hein. En vrai, on n'est pas loin là pour aller chercher les pièces de rechange. Arbre arraché. Pièces de rechange, elles sont juste là. Mais tu sais quoi, on va aller les chercher. Hein. Au moins, on sera tranquille. Bah oui, on va faire ça. Allez, c'est parti. On fait marche arrière. On n'est vraiment pas loin. Il me semblait bien qu'il y avait encore. Un passage bloqué par les arbres, mais je ne le trouvais pas. Voilà, donc au moins là je l'ai trouvé. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, prenez-vous directement 4 pièces de rechange et vous allez gagner aussi de nouveau un petit temps précieux. Hein. Là, mine de rien, ça va prendre de nouveau 5 bonnes minutes aller-retour. Peut-être un peu plus. Mais bon, ça va, ça roule plutôt bien. Donc ça va aller vite. Allez, vas-y. Donc là, en tout cas, au niveau arbre, on n'aura plus rien sur la route. Ce sera plus que donc un ou deux éboulis, je pense, et deux ponts de mémoire. Donc le reste, maintenant, ça va aller relativement vite. Hop là. Ok. Allez, on y est. On va charger ça. Aïe. Alors, je sais pas ce que je me suis pris là, mais c'était pas gentil. Voilà. Deux pièces de rechange. On va repasser en journée. Et on y va. Ah, ces remorques. Les petites remorques, là, moi perso, je les utilise pas. La remorque à plateau aussi, enfin, rembarque plateau, je ne sais quoi, là, col de cygne. Ah, c'est toutes des remorques que je prends jamais, quoi. C'est pas manœuvrique, ces trucs en marche arrière et tout, c'est juste horrible. En termes de remorques, moi, celles que j'aime bien, donc, ce sont les bennes.
Et alors plus particulièrement la 5 slot, la bleue, qui va plutôt bien. Je vais me mettre en vue externe. Voilà. Tu y arrêtes. Un bout de glace. Attention le poteau. Faire gaffe aussi hein, au rebond comme ça parce que ça peut être fatal. Bon ça va, hein, ça roule bien. Hein. Une bonne chose. C'est vrai que dans Cosmodrome, voilà, on a 2-3 passages qui sont un peu complexes. J'en avais fait un justement dans le live ou la vidéo précédente, je sais plus. Et alors celui qu'on a vu tout à l'heure, hein, en début de vidéo. Donc, voilà, de nouveau une mission de terminée. On continue sur notre route. Oh, putain, ça fait plaisir d'avoir de la route ouverte. C'est vraiment plaisant, quoi. Et là, de se dire qu'on va avoir un éboulis en moins, ça fait plaisir aussi. Ah, on passe là-dedans? Ouf. Oh là 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 là, il s'est noyé là. Allez, vas-y, tu peux le faire. Voilà. Normalement, on ne devrait plus croiser de problèmes. Mais là, le coup du pont ferroviaire, franchement, je m'y attendais pas. Je me voyais trop passer dessus, tranquille. Eh ben non, t'es niqué. Et alors ils te le disent pas, hein, c'est pas écrit hein, que c'est bloqué. Alors, là on va chercher donc nos deux poutres. C'est pas la bonne mission qui s'est mise sur l'écran. On y est presque là. Encore 500 mètres à mon avis, et on y sera. On voit le pont ferroviaire d'ici. Alors. Faire gaffe quand même ici, hein, parce que mine de rien, ça penche. Bien faire attention de ne pas se prendre le rocher là sur la gauche, parce que lui aussi, il peut être fatal. Celui à droite aussi. Ici. Oula, oula, oula. Ça se passe comment là? Ah, putain, je ne voyais pas la route. Ok, bah là, on y est. Hein. C'est là-bas. Là où on voit le point bleu. Punaise. Alors les petits cailloux comme ça, faites attention aussi. En tout cas, moi avec mon Azov, je dois faire gaffe. Donc si vous prenez le Azov, faites vraiment attention de pas trop rouler dessus, parce que il aime pas ça. Là. Allez, vas-y, on y va. Alors, on y est. Prendre nos poutres en métal. Et puis, on les livre. Hein. Encore peut-être 10 petites minutes. Et puis, on sera bon. Hein. Allez, vas-y. Ouais, quand même. Hein, 150 litres, hein, j'ai pété. Ça tue, hein, ces camions. Ça tue bien. Puis là, oh là,
T'as le pigeon. Ah. J'ai pas pris le bon chemin, quoi. J'aurais dû passer sur la... Par ici, quoi. Pa. Oula. Bon, je vais arrêter de parler trop vite parce que je bégaye, c'est un truc de ouf. Oh. Pa. Ça, j'ai activé ou pas? Je ne sais plus. Je vais regarder. Ouais, c'est bon. Allez. Poutre en métal, on charge et on y va. J'ai déjà remis le petit GPS bien comme il faut. Et donc là, on est parti. Hein. On a un petit peu de route, mais je pense que ça devrait le faire. C'est de la route qu'on a déjà empruntée, qu'on connaît. Donc là, il n'y a plus de secret. J'espère que niveau carbu, ça va aller. Mais bon, 300 litres, ça me paraît correct. Mon avion, on va exploser encore 150 litres. Vitesse haute, c'est vrai que ça aide aussi. Je mets jamais la vitesse haute, c'est très très rare. Alors justement, c'est quand même fort utile par moment. Pour pas perdre trop de vitesse. C'est vrai que j'ai pas le réflexe de la mettre cette vitesse. Puis elle tue, hein, 22 litres minute, je vois, waouh. Ça y va quoi, c'est généreux. Hein. Bon là c'est bon, on peut repasser en auto, on met les gaz. On repasse en route. Allez, allez, allez. Non, ça va bloquer. On y est. Enfin, on y est. On est sorti de là, quoi. Je pense qu'après on sera quand même bien bien tranquille niveau route, ça va vraiment faire plaisir. Et oui, la réalité de SnowRunner. Hein. Beaucoup de choses à faire. Moi j'hallucine quand même sur le nombre de missions qui nous ont mises. Parce qu'on avait perdu un peu cette habitude de voir autant de missions, étant donné que dans la phase 3 il y avait quasi rien. C'était juste très long parce qu'on avait l'usine de papier qui mettait une plombe à faire. Tellement ils nous ont mis des trucs à rapporter, mais en termes de mission, ils s'étaient pas quand même cassé le cul. Que là, what quoi. Il y a blindé. Hein. Franchement, on va pas s'emmerder. Wow. Putain, là, j'étais pas loin du bord, là, je l'ai vu. Vas-y, mon gars. Allez, on a fait un tiers du chemin là. On a fait la moitié. Je m'en doutais qu'on allait prendre un peu de dégâts amortisseurs. Mais ça roule bien, hein, franchement. Ah, attention ici. Là, on va passer sur la gauche plutôt, parce que sinon, c'est un peu casse-gueule. Hein. Wow. Voilà, donc l'intérêt quand même de faire ce fameux arbre arraché, c'est que pour cette mission, déjà, tu dois passer par ici. Enfin, vraiment, c'est les routes principales hein, qui sont bloquées. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup en vous disant, pour les débutants, faites bien vos ponts et tout ce qui est éboulis, les arbres, c'est important.
Allez, on voit le point d'arrivée là, c'est cool. On va juste devoir traverser au niveau de la glace. Au niveau du lac là en fait. Et puis on sera relativement vite arrivé. Et donc ici, il faut passer par là. Et oui. Enfin, il passe mieux que mon tatarin. Franchement, c'est. Je te dis, le tatarin qui a bloqué ici tout à l'heure, c'est pas normal. Ou alors j'ai dû me tromper de pneu parce qu'en fait, en faisant le glitch que je vous ai montré, du coup, j'ai dû aussi forcément désactiver tous mes mods que j'avais, donc ils étaient plus dans la map, donc j'ai dû les remettre, les recustomiser, donc c'était super long. Mais je me demande si j'ai bien tout remis sur le tatarin comme il fallait, quoi. À mon avis, il y a quelque chose que j'ai mal fait. Alors, on fait bien attention à longer le bord ici. Je me mets comme ça au moins je vois vraiment bien le bord. Ah, il est vraiment bon ce camion. À gauche. Et si tu pouvais monter, ce serait génial. Oui. Vas-y. Voilà. Merveilleux. Paf, ouais, ça, je m'en doutais bien. Bon, une fois qu'on a passé ça, on sera relativement vite arrivé. Aïe. On va quand même aller doucement parce qu'il me reste que la moitié de mes amortisseurs là. J'en ai besoin jusqu'au bout. Je vais repasser en vitesse haute. Non, ça n'ira pas. Alors, vitesse basse, un petit coup de treuil pour l'aider. Il y a un rocher là juste en dessous aussi qui m'emmerde. Voilà. Je pense que c'était lui le coupable. Et là maintenant, en fait, on n'a plus que de la route jusqu'au point d'arrivée. Je pense qu'il reste 500 mètres et on y est. Hein. Ça devrait aller relativement vite. Alléluia. Bon, on aura quand même fait trois petites missions secondaires. Donc deux arbres arrachés et un éboulis. C'est quand même une bonne chose dans notre partie. On va gagner maintenant beaucoup de temps sur les futures missions qu'on va faire dans Cosmodrome. Et ça fait quand même plaisir. Hop. On va faire gaffe ici. Je pense qu'on y est, hein, là. Attends. Ici aussi, faire attention. Il y a quand même des camions ici qui se retourneraient déjà. Je pense au BM17 déjà, ça c'est sûr, certain, lui. Il y va, quoi. Voilà, donc on y est, hein. On va activer la mission et puis faire notre livraison. Ah là là, quelle bonne chose. Activer, donc accepter. Commencer le suivi. Gestion cargaison. Et voilà, la route est dégagée, elle est ouverte. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez un peu plus de gameplay, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et on se retrouve très bientôt. N'oublie pas de mettre le petit pouce bleu, le commentaire et à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour rejoindre ma communauté qui est vraiment super. Encore merci à tous pour le soutien que vous m'apportez et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!